Bonjour, le monde de Clément Chris, et membre de l'association Illa de Rêve, donc je suis en direct de Aubervilliers, oui. Pour la fête des langues. Alors, bonjour, comment allez-vous? Ça va? Tu peux te rapprocher? Voilà, t'es dans le cadre, voilà. Alors, comment allez-vous? Ça va? Ça va. Ouais. Alors, qui êtes-vous professionnellement? Présentez-vous. Qui êtes-vous professionnellement? Alors, moi, mon nom c'est Ghislaine. D'accord. Personnellement, je viens de Cuba. D'accord. On a étudié dans l'école d'instructeur d'art à Pinal del Rio. Et après, on a fait l'animation. D'accord. Et j'ai fait mon BAFA. Et j'ai fait l'animation maintenant pour les enfants. Et on fait les chants. Ah, les chants pour les enfants. Oui. C'est bien. Avec les instruments. D'accord. Depuis combien de temps? Depuis quelle année? Depuis quelle année vous avez commencé? L'association? Oui. Depuis 2019. 2019, d'accord. Et c'est une association qui a comme objectif de promouvoir la culture cubaine et latine. D'accord. Et les traditions, les plats, les danses. C'est super important. Oui. Super important. Et faire partager aussi la langue, comme la langue espagnole et aussi le numérique. Comme une langue universelle pour pouvoir transmettre en donnant moins d'importance au langage et au langage. Vocabulaire, en donnant plus d'importance à ce qu'on veut dire. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est super important la langue, c'est super important de garder les valeurs de la langue natale. Exactement, c'est super important. C'est très important de communiquer n'importe comment. Donc, d'accord. C'est une façon. Et moi, je suis graphiste et je propose des cours autour des dessins et de la d'animation. Surtout avec ta tactique. D'accord. Pour les enfants et pour les adultes aussi. Donc ça permet aussi de communiquer un petit échange, par ouais, l'art voilà. Et par la langue espagnole. D'accord. Et tu donnes des cours, tes cours, ça se passe où? Ici à Aubervilliers, on est dans la salle Paul Vert. D'accord. Et des Républiques. Et on est aussi à la Maladrerie avec la danse. Pour d'accord. Elle va parler de guitare. Et on fait des cours de guitare. Ah ouais. Bientôt la boxe. Alors, est-ce que tu vas avoir une petite démo, une petite démo de... Les profs de guitare, il n'est pas là. Ah, voilà. Ouais, juste un petit tam-tam. Là, oui. Juste un petit. Là, c'est possible. Vas-y. Allez, encore une petite... Bravo. Merci. Merci. Alors, c'était quoi l'interprétation? Alors, c'est son de la loma, c'est un son cubain. D'accord. Et c'est pour montrer les rythmes. Tout ce qui est de la musique cubaine. D'accord. Alors, la musique cubaine a combien de rythmes niveau musical et aussi niveau technique de danse? Quelles sont les techniques de danse pour la musique cubaine? Oui, pour la danse, on a plusieurs rythmes, la rumba, le timba, plusieurs généraux musicaux, et salsa. Salsa. Et la plus connue, mais les sons aussi, c'est très répandu ici. Ouais. La timba, c'est le blues fort. Ça bouge fort, yes. Et guaguanco. Oh, oui. On a dit le l'accord. Alors, je laisse te rapprocher. Alors, un petit mot pour un artiste que vous aimeriez danser pour lui. Quel serait l'artiste avec qui vous aimeriez danser derrière? Quel est l'artiste? Peu importe. Peu importe. Un choix difficile. Stromae. Stromae?
Danser pour Stromae. Alors, as-tu un message pour Stromae? Oui, Stromae, je t'adore, j'adore ta musique et je voudrais bien danser pour toi. Et toi, as-tu un message pour Stromae ou un autre artiste? Ok, alors pour lui-même. Ouais. Il est très bien de la musique, j'adore et je voudrais bien participer à un de ses spectacles. Donc Stromae, tu as deux charmantes jeunes femmes qui voudraient danser avec toi. Et le rythme cubain et latin. Et latin, voilà. Alors, un petit mot sur l'événement d'aujourd'hui. Donc, on est le 3 juin. La fête de l'art. Comment vous avez été invité aujourd'hui? Oui, on invite Aubervilliers, c'est dans une association. Et on a déjà participé l'année dernière aussi. Mm-hmm. Et ça nous intéresse beaucoup d'avoir une représentation de la langue espagnole ici. Mm-hmm. Parce que c'est une ville où il y a plus de 120 langues différentes. D'accord. Et donc l'espagnol, c'est pas possible qu'elle ne soit pas présente. Exactement. Dans cette fête, nous, on est toujours là pour les représenter. D'accord. Alors les projets futurs, et après le mot de la fin, les projets futurs. Quels sont les projets futurs, les dates prochaines? Oui, on voudrait bien pas rester seulement cubain, mm-hmm. sinon se mélanger avec d'autres cultures. Maintenant, on a des Colombiens qui font de la guitare, de la boxe. Mm-hmm. Et comme ça, pouvoir, surtout Aubervilliers, mm-hmm. les autres Péruviens, Chiliens, on a déjà un projet. Vous êtes diversifié. On voudrait se diversifier pour que ce soit tout un communauté latine. Mmh. D'accord, ça marche. Alors, un petit mot dans la langue natale pour les internautes qui nous regardent, vos amis de votre pays qui vous regardent, un petit mot dans votre langue natale. À toi et après à toi. Estamos aquí para representar nuestra cultura, para apoyar nuestro país, Cuba, y siempre representando todo el universo de la América Latina. Gracias. A toi. Estamos para representar, como dijo acá la representante, la Lisa Sarduy, para compartir y encontrar nuevas personas que también estén con nosotros y podamos reunirnos para hacer una gran representación de nuestra cultura y todos en común. Et on valide le remerciement. Les remerciements de la langue natale, déjà à toi et après à toi. Les remerciements. En espagnol. Gracias por todo, gracias a todos de estar aquí, de escucharnos y de poder seguir adelante para desarrollar esta asociación Isla de Rev y podemos continuar haciendo buenos avances. Para adelante, que para eso estamos. Je ne suis pas calé, mais au moins j'ai appris quelques mots. À toi, dans ta langue natale, à toi. Muchas gracias a toda, bueno, a la ciudad de Aubervilliers por acogernos, por dar esta oportunidad de fiesta cultural, mm-hmm. que es muy rica, muy magnífica. Permite mostrar tradiciones, culturas, todo, poder exponerse. Y a Cuba, bueno, el mensaje de que estamos aquí para representarlo, a la América Latina que estamos aquí para compartir toda esa riqueza cultural y de sabor. Sabor. Et on va finir sur une note musicale. Allez, vamos. Merci encore les filles, et c'était super, et je vous dis à bientôt, et on vous retrouve sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram. Oui, sur Instagram. D'accord. D'accord, ça marche. Mais je vous dis à bientôt, et gardez le rythme dans la peau, toujours. Exactement. Gracias. Gracias. A bientôt. A bientôt, bye bye. Ciao.